Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous accueille pour cet avant-match de la rencontre entre Metz et Reims. Quatrième journée de championnat de Ligue 1 pour le FC Metz qui va donc recevoir une équipe de Reims qui est plutôt dans la difficulté. Saison très compliquée pour les deux équipes et c'est aussi le cas pour l'adversaire du FC Metz. Rencontre qui aura lieu ce dimanche 20 septembre à 15h. Rencontre pour laquelle je serai présent puisque ça sera mon premier match de la saison. Au stade Saint-Symphorien, je serai en tribune, donc si vous me voyez, n'hésitez surtout pas à venir, hein, je ne mords pas. Vous avez déjà vu certainement mon visage lors de certains lives que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne. Vous pouvez passer faire un petit bonjour. Je prendrai quelques vidéos, notamment pour le débrief, et peut-être faire une vidéo à part de ce qui s'est passé durant ce match du point de vue tribune, mais aussi avant d'entrer en tribune. Donc je vais voir ce que je peux prendre comme image, mais évidemment c'est un moment assez important. Dans cette saison 2020-2021, pour moi en tant que supporter. Deux petites choses supplémentaires. Premièrement, le programme de cet avant-match, vous le trouvez dans la description. Vous avez les différentes parties, vous cliquez sur la partie qui vous intéresse. Dernière chose, vous pouvez vous abonner. Vous êtes près de 592 abonnés actuellement, c'est absolument incroyable. Jamais je pensais qu'on monterait à ce niveau-là pour une chaîne qui parle du FC Metz. Et vous savez que, en plus, avec des vidéos qui sont très très longues, hein, donc forcément, c'est assez compliqué pour beaucoup. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, hein, et comme cela, on pourra taper le palier des 600 abonnés. Un grand merci à vous pour votre soutien. On attaque tout d'abord cet avant-match sur un petit goût d'histoire, je dirais. Le FC Metz s'en sort, on va dire, normalement plutôt bien face à Reims à domicile en Ligue 1. On est aux environs des 41% de victoires, 29% de matchs nuls et 29% de défaites. Donc on va dire que la tendance, historiquement, elle est plutôt favorable au FC Metz qui, justement, ces dernières années, s'en est plutôt bien tiré contre l'adversaire en question. On est sur à peu près une invincibilité lors des 10 derniers matchs de Ligue 1. Voilà, 7 victoires, 3 nuls. Autant vous dire que on aimerait évidemment bien sûr continuer cette série d'invincibilité contre l'adversaire du jour, c'est-à-dire Reims. Passons maintenant au contexte de ce match. Alors, plusieurs éléments à retenir. Tout d'abord, donc point de vue du classement, comme vous pouvez le voir, le FC Metz et Reims sont actuellement, comme je l'ai dit tout au début, dans la grande difficulté, puisque les deux équipes sont tout simplement dans le bas du tableau. Metz a 0 points, puisque Metz a perdu ses 3 premiers matchs de la saison. Reims a fait un match nul lors de la première journée contre Monaco, alors qu'ils menaient 2-0, ils se sont fait rattraper 2-2. Et ils ont perdu d'ailleurs les deux matchs suivants, défaite contre Lille à domicile, et puis défaite à l'extérieur contre Angers 1-0. Donc assez difficile pour Reims aussi de sortir de ce début de saison, tout comme le FC Metz. Et donc le 17e, Reims se déplace chez le 18e, le FC Metz. Point de vue du classement, on a fait un peu le tour dessus. Si on va sur le calendrier des deux équipes, alors le calendrier est un petit peu similaire, même si c'est pas pour les mêmes raisons. Quand on regarde le calendrier, par exemple, de nos amis rennois, on peut voir que ben, Reims, au final, a eu un début de saison avec donc le déplacement à Monaco, hein, où je l'ai dit, ils ont mené 2-0, ils se sont fait rattraper et ont fait finalement 2-2. Réception de Lille qui a donné une défaite 1-0. En faveur, donc victoire 1-0 en faveur de Lille, défaite 1-0 pour Reims. Déplacement à Angers, match assez compliqué avec quelques expulsions, remporté par Angers 1-0. Et donc, quelques jours auparavant, avant ce match, le 17, jeudi 17 septembre, Reims se déplaçait du côté de la Servette Genève pour jouer le deuxième tour de qualification de l'Europa League, match qu'ils ont remporté 1-0. Il faut le noter, on en parlera par la suite. Donc, ce qui fait que Reims a dû, entre guillemets, se déplacer entre le 13, le 17 et aujourd'hui. Et ben en fait, Reims va faire 3 déplacements en une semaine, en gros, tout simplement. Donc, une situation assez compliquée pour eux, parce que forcément, même si vous avez pas forcément de la fatigue physique, hein, parce qu'aujourd'hui les moyens de locomotion font qu'on peut un peu vous économiser, notamment les trajets en bus, il y a quand même une fatigue mentale qui est présente chez tout joueur qui justement doit faire des déplacements, voilà, aller à l'hôtel, s'installer, repartir, s'installer. Et ils ont fait ça pendant
Au final, comment dire, pour le match contre Angers déjà, et puis pour le match contre la Servette Genève, et ils vont le refaire donc ce week-end pour Metz. Voilà, donc on est un petit peu, je dirais, dans un petit road trip hein, qui s'est installé pour nos amis de Reims. Le FC Metz, lui, en revanche, avait moins de déplacements prévus, hein, puisque le FC Metz se trouvait donc en déplacement du côté de Lille le 13 septembre, derrière redéplacement au PSG. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous recevons sur ce match, donc ça nous limite un peu, je dirais, cet aspect road trip hein, que j'évoquais pour Reims. Et donc forcément, après la défaite contre Monaco à domicile, après la défaite à Lille 1-0, après la terrible défaite contre le Paris Saint-Germain que vous pouvez retrouver sur la chaîne, on a fait un débrief absolument hilarant avec Grenat Forever à ce sujet-là. Trois défaites et donc quatrième match et on espère que le FC Metz va pouvoir enfin débloquer le compteur. Composition tactique des équipes. On est sur deux équipes qui, pour l'instant, se cherchent un peu au niveau tactique et on essaye un peu de construire sur les matchs qui se déroulent pour établir une certaine tactique. Si on regarde du côté de Reims, quelques éléments intéressants du côté de Reims. Donc, bien évidemment, pour chaque équipe, vous aurez les groupes convoqués parce qu'il y a certains retours dont on va évoquer qui vont pouvoir jouer sur ce match. Tactiquement parlant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord du côté de Reims, parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé lors du match contre Angers. Contre Angers, Reims décide d'aligner un 4-4-2 avec la composition que vous pouvez voir et qui peut un peu servir de base, je dirais, tactique pour le match contre Metz. 4-4-2, donc voilà, vous avez un peu l'effectif. Difficile de savoir s'ils vont vraiment employer cette formation-là pour Metz, sachant que quelques jours plus tard, quand ils se sont déplacés du côté de la Servette Genève, hein, en Ligue Europa, une nouvelle tactique a été mise en place par l'entraîneur de Reims, avec notamment un système plutôt en 4-2-1-2, si l'on veut. 4-2-1-2-1, pardon, excusez-moi. Et donc, une nouvelle tactique pour ce match où il y a eu une victoire. D'accord? Alors que contre Angers, c'était une défaite, la victoire contre Genève avec un nouveau schéma tactique. Est-ce que ce schéma-là sera répété contre Metz? Bonne question, mais il y a encore, je pense, une incertitude, même du côté du FC Metz, vis-à-vis de l'adversaire, sur quelle sera la formation tactique que l'adversaire va adopter vis-à-vis du FC Metz. Pour le FC Metz, justement. Alors, quand on regarde les matchs contre Lille ou contre le Paris Saint-Germain, on était passé sur un système à trois défenseurs. Je pense que vous l'avez vu, on l'a assez débriefé, assez terrible comme système, hein. Des fois, on a eu du sang comme ça qui est sorti, on va dire, des yeux, parce que c'était des fois assez compliqué, notamment quand on est en supériorité numérique, hein. Je pense que vous l'avez vu contre le Paris Saint-Germain, ça a été assez compliqué. Là, c'était un match à domicile. Match à domicile, forcément, difficile là d'avaler, genre oui, on va laisser l'adversaire faire le jeu. Là, vous voulez faire le jeu contre en plus un adversaire qui est abordable quand on regarde le début de saison de Reims, mais aussi leur classement. Techniquement, on peut se dire, bah, si on venait sur la même idée que Monaco, où en plus on joue à domicile, le 4-3-3 pourrait faire son grand retour. L'avantage du 4-3-3, c'est que si vous prenez en compte ce qui s'est passé il y a de cela à peu près 4. Il y a de cela 4 jours, hein, c'était le 16, mercredi 16 septembre contre le Paris Saint-Germain. Open Gate ne jouait pas ce match, qui habituellement joue dans un 4-3-3, hein, sur un rôle de côté. Boulaya avait sauté le match contre Lille le 13 septembre. Il avait joué contre le Paris Saint-Germain et il avait été plutôt un élément qui avait apporté offensivement, notamment dans la transmission des ballons vers les attaquants. Ça avait été très intéressant. Honnêtement, je pense que si on prend ce système en compte, on peut, et surtout ces joueurs-là, on peut se dire que le 4-3-3 peut être une vraie option pour ce match contre Reims. Maintenant, vous allez me dire, la question est de savoir, est-ce que on serait pas peut-être sur un système 4-4-2 version. Enfin, on peut espérer un 4-4-2, encore une fois, 4-4-2 en losange, c'est possible d'avoir deux attaquants avec par exemple Nguette, Nian, ou alors on va me dire Diallo ou Nian, avec Boulaya qui est en 10, hein, vu que ce schéma deux attaquants meneurs de jeu a plutôt bien fonctionné, je pense, défensivement contre le Paris Saint-Germain, c'est possible dans un 4-4-2 losange d'avoir donc un numéro 10, deux milieux de terrain, une sentinelle. Voilà. Donc ça sera un peu la logique du 4-3-3 respecté, mais un peu mieux développé
autour d'un système qui va plus être, je dirais, intéressant dans le pressing, notamment sur les défenseurs adverses, quoi, quand ils vont tenter de relancer. Donc à voir, est-ce qu'on va aller sur du 4-3-3, est-ce qu'on va aller sur du 4-4-2 losange, ou est-ce qu'au contraire on va revenir à ce 3-5-2 que l'on a vu contre Lille ou contre le Paris Saint-Germain? À voir. Personnellement, je préfère un système en 4-4-2 parce que défensivement, ça m'avait donné de bonnes impressions contre le Paris Saint-Germain, l'idée d'avoir deux attaquants et d'avoir un meneur de jeu derrière. Donc 4-4-2, je pense que c'est vraiment une très bonne option. On verra ce que fera l'entraîneur, Vincent Ognon, à ce sujet. Petit point sur les forces et les faiblesses de chacun. Du côté des points forts, on va parler des deux équipes, hein. Tout d'abord pour Reims, parce que c'est intéressant de signifier, ils ont quelques joueurs qui sont de retour par rapport, notamment, il y a eu des cas de Covid, mais il y a aussi, je crois, des blessures. Abdelhamid, joueur très important la saison dernière du côté de Reims, capitaine, défenseur central, qui était en quarantaine à cause du Covid-19, revient dans le groupe pour ce match contre le FC Metz. Bonne nouvelle pour Reims parce qu'ils ont perdu leur défenseur central Faes qui a été expulsé contre Angers. Donc ils ont cet élément très très important de la défense centrale qui revient. Et pour moi, c'est vraiment un joueur que je trouve vraiment super et un peu et vraiment sous-estimé en défense centrale. Donc ça va être une menace vis-à-vis de nos attaquants parce que quand on sait que notre attaque est assez dure et on en parlera après, avoir ce type de défenseur en face de soi qui a d'ailleurs contribué à la très très bonne saison défensive de Reims la saison dernière. Je rappelle, hein, 21 buts encaissés la saison dernière, hein, c'était la meilleure défense de Ligue 1 si je ne me trompe pas. Forcément, Abdelhamid, son retour est une très très bonne nouvelle pour Reims et donc un très gros point fort pour le stade de Reims. Si maintenant on va aller un peu plus loin sur l'aspect collectif, mais défensivement, Reims reste une très très bonne équipe. Alors, quand vous regardez les matchs depuis le début de la saison, certes, ils ont encaissé des buts en nombre assez inhabituel, hein, parce qu'on est déjà à 4 buts encaissés pour 3 matchs, ce qui est un chiffre assez important quand on voit par exemple le bilan qu'ils ont obtenu quand le championnat s'est arrêté la saison dernière en termes de buts encaissés. Maintenant, il faut voir le contexte des buts encaissés. Je veux dire, vous prenez le match contre Angers, c'est une passe qui est un peu délaissée par le central qui pense que l'autre central va intercepter, mais que finalement il n'intercepte pas. Le but encaissé contre Lille, c'est une frappe de Bamba qui est à l'extérieur de la surface dans un angle quasi impossible à rater. Voilà, il faut. Et puis surtout, vous prenez le match contre Monaco, on est sur deux buts encaissés sur coup de pied arrêté, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur coup de pied arrêté, mais vous voyez que dans le jeu même, c'est pas vraiment, je dirais, des buts où en gros, tactiquement parlant, ils se sont fait avaler, quoi. On a deux buts sur coup de pied arrêté et on a un but de loin très 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 bien tiré et une erreur défensive entre guillemets assez bizarre et improbable. Ça reste comme une très très bonne défense. Petite information statistique. Quatrième meilleure équipe au niveau des interceptions de balles depuis le début de la saison. Ça veut dire que ils sont quand même présents défensivement, il va falloir s'en méfier. Côté FC Metz, point fort. Premièrement, le fait que l'on soit dos au mur après 3 matchs sans victoire et surtout 3 défaites font que il y a quand même, je dirais, normalement chez tous ces joueurs du FC Metz, un sentiment de revanche important, surtout compte tenu du contexte et des circonstances de la défaite contre le Paris Saint-Germain. Autant vous dire que si ça a un peu touché leur ego, ça peut vraiment être tourné dans le bon sens pour le FC Metz et ça peut les aider à vraiment les renforcer dans l'envie de gagner ce match. Deuxième chose, match à domicile. Avantage aussi parce que bizarrement, quand on est à domicile, le coach a envie de faire une équipe plus offensive et qui est plus, je dirais, plus entreprenante. Voilà, qui a envie de prendre plus de risques. Et comme on a un coach qui a pas trop envie de prendre de risques, forcément, avoir le contexte du match à domicile nous aide énormément parce que ça décoince un peu Vincent Ognon dans son idée de créer une équipe à dimension offensive un petit peu plus importante que, par exemple, le match contre Lille ou contre le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est des points évidemment à signifier sur les aspects, je dirais, forts du côté du FC Metz. Passons du côté des points faibles des deux équipes. Du côté de Reims.
Il y a quand même une chose importante à signaler qui était déjà vue, je dirais, la saison dernière, c'est qu'ils ont un déficit offensif qui est important. Ils marquent 26 buts la saison dernière en Ligue 1. Automatiquement, vu qu'ils avaient une bonne défense, c'était pas problématique de marquer si peu. Mais au in fine, ça leur fait une attaque qui effectivement est pas forcément, je dirais, efficace en termes de nombre. Et en termes de nombre relatif, hein, quand vous regardez les pourcentages depuis le début de la saison notamment, ils sont pas sur des très très bons pourcentages. On est sur du 26% de tirs cadrés en Ligue 1, c'est-à-dire que c'est la 17e meilleure équipe en termes de tirs cadrés. Donc c'est un total qui est très très faible. Et à rajouter à ce niveau-là, on a aussi défensivement un petit peu plus de difficultés, même si j'ai parlé des points forts de Reims global défensivement. Par exemple, le pressing sur l'adversaire, d'accord, ils en sont à 24,2% de pressing réussi sur l'adversaire. Ce qui prouve bien que quand ils doivent normalement aller chercher le pressing sur l'adversaire, ils ont beaucoup de mal. C'est le 20e pourcentage en Ligue 1. Donc il y a aussi des difficultés assez relatives défensivement pour Reims. Dernier point à signifier, j'ai parlé un peu de cela dans les points forts, mais évidemment que l'absence de Faes de ce 11 pour le match contre le FC Metz est très problématique, vu que Faes était donc l'une des recrues importantes du côté de Reims, et ce carton rouge pris contre Angers est un vrai problème, je pense, pour leur défense centrale. Heureusement qu'Abdelhamid revient, mais c'est vrai que c'est comme un élément important de leur défense qui ne sera pas présent pour le match contre le FC Metz. Le FCMS, on en parle tout de suite. Quels sont ses points faibles? Aujourd'hui, principal point faible, offensif. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Non, Nian n'a pas toute la responsabilité de l'échec offensif du FCMS. Je pense que j'ai déjà fait assez de tweets à ce sujet ou d'explications lors des différents débriefs. Il faut vraiment que l'organisation offensive dans sa globalité, et pas que Nian, progresse vers plus d'accompagnement offensif. C'est pas seulement Kenyan qui doit aller faire l'action offensive, il faut qu'il y ait du soutien. Des ailiers qui proposent une solution près notamment du porteur de ballon, les milieux de terrain, les latéraux défensifs qui doivent aussi monter. On a senti un peu de timidité du côté du FC Metz contre le Paris Saint-Germain, je dirais aussi un complexe d'infériorité, de la peur aussi, la peur de prendre un but. Je veux dire, si Metz a cette peur-là de prendre un but contre Reims, qui en plus n'est pas une très très bonne attaque, autant vous dire que c'est très très inquiétant pour le match si cela se passe. Donc cette peur est quand même présente à l'heure actuelle. Ils se font rattraper contre Lille dans les ils perdent le match Metz dans les dernières minutes contre Lille, la défaite dans les dernières minutes contre le Paris Saint-Germain. Cette peur est présente aujourd'hui et il faut évidemment la balayer, mais elle est présente et c'est donc un point faible à signifier pour le FC Metz. Autre chose à signaler pour compléter l'aspect offensif, j'ai parlé de Reims 17e pourcentage en termes de tirs cadrés en Ligue 1, Metz c'est le 20e, hein. Metz c'est 23% de tirs cadrés en Ligue 1, c'est donc le bas du tableau pour le FC Metz à ce niveau-là. Et défensivement, alors effectivement, il y a des bons points qui sont à observer dans l'ensemble, mais aussi parce que le système 3-5-2 contre Lille ou contre le PSG aidait beaucoup, je dirais, dans les impacts notamment défensifs. Hein. Forcément, dans le jeu direct, c'est très compliqué pour l'adversaire, normalement, je dis bien normalement, de marquer face à nous. Or, si on fait des erreurs individuelles comme des oublis de marquage, hein, comme Monsieur Angban par exemple, hein, ou alors des mauvais positionnements comme 111 contre le Paris Saint-Germain sur le but marqué par Draxler, ces petits éléments-là sont assez problématiques. Et donc défensivement, il faut faire très attention, mais c'est 25,8% de pressing réussi depuis le début de la saison, c'est le 19e total en Ligue 1, donc là aussi, au niveau du pressing défensif, il y a encore énormément de travail et ça constitue aussi un point faible. Donc, deux équipes qui ont du mal à défendre statistiquement parlant. On verra bien sûr ce qui va attendre les Grenats et aussi les joueurs de Reims sur ce match à 15h. On termine par un petit point pronostic. Qu'est-ce que je vois pour ce match? C'est très compliqué parce que honnêtement, quand je prends tous les éléments, notamment statistiques que j'ai évoqués précédemment, je sens que ce match va être chiant. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est le premier match auquel je vais assister cette saison au Stade Saint-Symphorien, je sens que ça va être chiant. Alors, on va un peu jouer sur la chance, bien évidemment.
On va partir sur un 1-0 pour le FC Metz. Alors, autant vous dire que c'est peut-être plus un choix du cœur qu'un choix de la raison. Mais je sais pas, je sens effectivement que le fait que ce soit à domicile et que Vincent Ognon va être un peu plus décomplexé vis-à-vis de l'idée de mettre une équipe un peu plus en train offensivement. Je sens qu'il y a quelque chose à faire offensivement sur ce match parce que c'est à domicile, clairement. Donc je dirais un petit 1-0. Je peux dire que Nian va marquer, mais dernièrement, quand on dit à chaque fois que Nian va marquer, c'est une catastrophe. Donc on va dire que. Allez, on va faire un petit truc. On va dire que Boulaya va marquer. Voilà. Comme ça, c'est Nian qui va marquer un but. Hein, vous serez évidemment les premiers à l'entendre. J'en ai fini pour l'avant-match. Merci beaucoup d'avoir écouté cet avant-match. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bien entendu. On se retrouve au match ce dimanche, 15h, pour ceux que je peux voir. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou si jamais on se croise aux abords du stade. Sinon, on se retrouvera pour le débrief du match entre Metz et Reims qui tombera certainement aux alentours du lundi ou du mardi, comme d'habitude. Portez-vous bien, les masques, très important, pensez à votre santé mais surtout à celle des autres. Et allez le SMS!